Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul action. Donc j'y étais ce matin. Donc nous sommes jeudi puisque je devais aller faire quelque chose du côté d'action juste en face. Et c'est surtout qu'il me fallait du scotch pour finir mes colis, pour les envoyer. Du coup j'y étais vite fait. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors il n'y a pas grand chose en loisirs créatifs, il y a vraiment de tout. Voilà, c'est pas non plus. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire, je vous le dis. Du coup, j'ai pris un support téléphone pour la voiture. Donc, c'est les ventouses. Et il y a un bras comme particulier. Ça, je l'ai payé 1,58 €. Voilà. Et c'est tout simplement, ben, quand on est en voiture, c'est pas mal quand on a le GPS qui. Pour nous indiquer la route, et eh bien au moins, voilà. Sinon, moi, je le pose sur le tableau de bord, mais du coup, je vois pas trop la vitesse. Et voilà, là, ce sera beaucoup plus pratique. Donc, il est ajustable de 45 mm à 10 mm à ce niveau-là. Voilà. Et puis là, il tourne à 360 degrés. Ah, j'ai trouvé que c'était pas cher, donc je vous dirai ben, s'il est bien ou pas. Je sais pas. Ensuite, au rayon loisirs créatifs. Alors, j'en ai trouvé qu'un. C'est la première fois que je vois ça. C'est des toiles à peindre. Et bah, apparemment, il y a différentes formes. Moi, c'était la seule. Et en fait, c'est une toile 3D, mais en fait, c'est partout. Donc, on peut vraiment le décorer de partout. Ça, je trouve ça très, très bien. J'en aurais bien pris plus, mais il n'y avait que celle-là. Donc du coup, ben, je l'ai pris quand même. Ça devait être 2 euros, un truc comme ça, ou 2,50 €. Voilà. Donc je vous en dirai pas plus. À tester. Il n'y avait toujours pas de petite toile 24-30. Et les 20-20, là, les petites carrées, tout ça. Il n'y avait que des grandes toiles et ça. Et c'était la dernière. Ensuite, j'ai trouvé. Alors, je sais pas si c'est. Je crois. Moi, c'est nouveau pour moi. C'est la première fois que je l'ai vu. Je sais pas si c'est pas ça que me parlait Nathalie. Elle se reconnaîtra. Donc, c'est des glitters. C'est des marqueurs glitters. Donc, là, ben, on a trois couleurs. Donc, rose, violet, clair. Violet. Et un peu plus violet foncé. Là, il n'y avait que ces deux couleurs. Et le bleu, il y avait en bleu clair, bleu comme ça et bleu nuit. Voilà. Donc, je ne sais pas, à tester. Par contre, le bleu, il n'y en avait qu'un et c'est moi qui l'ai pris. Alors, je ne sais pas s'ils vont en remettre ou pas. Après, il reste que des roses. Voilà. Ensuite, pour essayer de m'organiser, ceux qui me suivent, j'ai annoncé que je devais faire une pause. Cet été, je fais une pause. Et il va falloir que je trouve de l'organisation, tout ça. Donc, j'ai pris ce cahier comme ça. Voilà. Qui a des intercalaires hein, qu'on peut enlever. Voilà. Bien entendu, ça va de soi. Je ne pense pas le laisser comme ça. Hein, parce que, voilà. Pas, mais je me dis pour marquer mes commandes, ce que j'ai à faire et tout, parce que c'est vrai que j'ai de moins en moins de mémoire ben, suite au traitement et tout, et c'est compliqué. J'oublie plein de choses. 5 minutes après, ben, j'ai oublié. Fait bon. Donc, c'est pour essayer de m'organiser. Bien entendu, ça aussi, ça va être customisé. Voilà. Donc, je pense que je partirai sur le mix média. Ensuite, pareil, niveau organisation et tout. Et comme j'y pense jamais, mais en fait, j'ai pris cette petite valise où il y a tout ça dedans. Donc, il y a des règles pour faire les trous, des ciseaux, une agrafeuse et tout. Des élastiques, des trombones. Voilà, il y a vraiment tout le nécessaire de bureau qu'il faut. Alors, je me doute que ce n'est pas une super qualité. Moi, je l'ai pris parce que c'est le genre de truc que je ne pense jamais, jamais,
j'en ai acheté. Ne serait-ce que les élastiques. D'ailleurs, Véro, on en a parlé hier, si tu passes par là. On parlait des élastiques. Elle m'a donné un tuyau avec des élastiques pour ouvrir mes pots de peinture, de glu. En fait, tous les pots qu'on a du mal à rouvrir. Donc, du coup, je testerai. Voilà. Il y a des crayons, des post-it. Enfin, il y a vraiment de tout. C'est plutôt dans ce sens-là, parce que là, j'ai tout. Il y a des stylos. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a même de la colle. Chose que je n'ai pas. Voilà. C'était dans les 7 euros, je crois, ça. Mais bon, c'est voilà. Ensuite, on va rester dans les loisirs créatifs. Voilà, hop. J'ai enfin trouvé le dice que je cherchais. Alors, les dice, il y en avait. Le rayon n'était pas plein. Par contre, il y avait un tas. Il y avait un tas. Mais bon, j'étais pas plein non plus. Moi, j'ai eu la chance de le trouver, celui-là. Ça fait, c'est celui que je voulais le plus. Donc, je l'ai enfin trouvé. Donc, ça, c'est 2,50. Donc, je suis trop contente. Et après, alors, j'en ai pris un comme ceci. Alors, je l'ai, celui-là. Bon, j'ai donné celui du milieu à une copine. Mais je l'ai pris parce qu'en fait, il y en a deux. J'en ai un déjà. Et en fait, c'est pour aller plus vite. Voilà. Parce que quand je vais faire des découpes, du coup, je le fais par deux au lieu de le faire que par un. Tout simplement. C'est pour ça que je l'ai repris à ce prix-là. Ensuite, j'ai pris celui-là. Donc là, j'ai une très grosse pensée pour Marielle. J'ai repris des embellissements métal comme ça. Alors, j'en ai quelques-uns. Mais bon, je me suis dit, avant qu'il les arrête, on va le prendre. Par contre, il n'y en avait pas beaucoup. J'ai pris cela. Et j'ai repris des fleurs. Les fleurs, j'en aurais bien pris plus, mais il n'y en avait pas d'autres. Voilà. Donc, là, je pense que ça va être tout. Ah oui, là, j'ai trouvé la lune aussi. En fait, je la trouvais trop, trop belle. On me l'avait montré, celle-là. Et du coup, j'ai dit, ben là, je l'ai trouvée. Il me semble que vous aviez pratiquement tout. Les dice comme ça, il y en avait au moins un à deux de chaque. Donc, ça. Bien sûr, j'ai repris le scotch. Alors, pour ce scotch, d'habitude, il est fragile. Il est pas bien. Enfin, on voit qu'il est pas cher parce qu'il vaut 90 centimes, je crois, ou un truc comme ça. Moins d'un euro. Par contre, l'autre fois, j'en avais pris. Et je l'ai trouvé super, super, super bien. Donc, moi, je le conseille. Avant, je l'aurais moins conseillé. Je lui ai dit, ben, t'en as pour ton argent. Là, franchement, il est plus épais. Il est beaucoup mieux, même pour arriver à des fers, là, et tout. Avant, j'y arrivais pas. Celui-là, j'y arrive beaucoup plus facilement. Donc, moi, je le recommande, celui-là, franchement. Et il est à moins d'un euro. Ensuite... Ben, pour en avoir, alors, aussi pour dimanche au cas où, que si j'y pensais pas, pour le barbecue, ou même moi j'en aurais, comme ça quand on a du monde, ben voilà, vu les circonstances, je préfère en avoir, comme ça, ben, si on a du monde, qu'on peut quand même manger ensemble et tout, puisque c'est de la vaisselle jetable, alors je sais, les écologiques vont me dire que ce n'est pas bien, c'est quand même bio, hein. Ça est marqué dessus. Ouais, ben c'est 100% compostable et tout, donc voilà. Donc, j'ai pris des couteaux et des fourchettes. Je voulais des cuillères, mais il n'y en avait pas. Voilà. J'étais partie pour prendre ça en bambou, là, en bois que j'avais pris pour la fête des mères, mais il n'y en avait plus. Du coup, ben, j'ai pris ça. J'ai dit, tant pis, on prend ce qu'il y a. Donc là, c'est tout. Ensuite, ben, pour le mobilhome, j'ai pris les bacs à glaçons en silicone. Ceux-là sont très très bien. Alors avant, ils coûtaient une fortune. Sauf que depuis l'année dernière, on en trouve à Action à 2 euros. Enfin, même pas, c'est 1,99 €. Et en fait, c'est tout souple, hein, c'est de la silicone. Et dessous, il y a le plateau pour mettre, quand il y a de, on remplit d'eau après, c'est quand même beaucoup plus pratique avec le plateau. Donc, faire les glaçons, ça c'est top, surtout quand on est en vacances. Voilà. Et ça vaut que
1,99€. Avant, moi, chez Jiffy, à l'époque, au début, je l'avais quand même payé 9 ou 10 euros, un truc comme ça, ça. Pour ranger mes papiers, j'ai pris ce rangement comme ça. Donc, ça, c'est pour les papiers de la maison. J'en avais déjà pris un pour mes papiers à moi. Et là, c'est pour tous les papiers, en fait. C'est beaucoup plus pratique parce que, voilà, ça fait comme ça. Ça, c'est 2 euros, même pas. Ben, pour dimanche, parce que j'ai eu un petit coup de cœur, puisque... On fait un barbecue scrap avec mille et une créations. Et du coup, je me suis dit, ça c'est trop bien. Voilà. C'est trop dans le thème. Donc, parce que c'est un barbecue pour fêter l'été entre nous tous. Et passer un bon moment. Et du coup, j'ai dit, hein, ce sera quand même plus joli que de l'essuie tout blanc. Ou, voilà. Donc du coup, j'ai pris ça. C'est des serviettes en papier. Ensuite, pour le chat, j'ai enfin retrouvé les tapis comme ça. Donc, ça, c'est très, très bien pour mettre les gamelles et tout. Ça évite qu'ils salissent le sol. Encore faut-il qu'ils ne s'amusent pas avec la gamelle d'eau, mais bon. Et du coup, j'en avais un. Mais le problème, c'est que ben, comme elle s'amuse avec l'eau et tout, il est toujours mouillé. Et il en fallait deux pour pouvoir en laver un, le faire sécher, pour faire un roulement. J'en trouvais plus et là j'en ai trouvé. Alors du coup j'en ai pris un comme ça et j'en ai pris un deuxième comme ça. Je peux faire le roulement, c'est très très bien. Et ça c'était 1,48€, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher et c'est surtout bien parce que ça permet justement de pas salir la cuisine. Ensuite, pareil dans l'optique de l'organisation. Je me suis pris ce cahier. Voilà, pareil. C'est comme le même principe que l'autre. Sauf que là, il y a des pochettes à l'intérieur. Voilà. Donc, je l'ai pris. Bien sûr, c'est pour le décorer aussi. Je ne vais pas le laisser comme ça. Là, il ne restera pas rose. Ça, c'est clair et net. Même s'il est très joli comme ça. Il est brillant. Voilà. Pour les prix, ça devait être entre 1 et 2 euros, un truc comme ça. Donc, après, j'ai pris des petites assiettes en carton. Donc, 100% bio et 100% recyclable. Voilà. Je précise parce qu'on me dit après que je pollue. Ensuite, pour le mobilhome, parce qu'à la mer, ça rouille le métal. Du coup, ben, pour que ça fasse plus propre et tout, ben, du coup, j'ai acheté ça. C'est pour les WC. Ça vaut 2,60€ ou 80, un truc comme ça. Il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris le gris parce que je voulais quelque chose de neutre. Donc, voilà. Ça. Et je pense que j'en prendrai un aussi pour chez moi. Parce qu'il va falloir le changer aussi. Ensuite, ça. J'ai repris, oui, je sais, des pochettes transparentes. Mais pourquoi? Parce que ça, ça marche pour beaucoup, beaucoup de choses. On peut ranger les papiers à 4, notamment les chutes de papier. On peut ranger, moi, j'ai le projet de ranger les tampons. Ouais, je vais y arriver un jour à le faire. Les dyes dans des pochettes comme ça. Les papiers de riz là-dedans. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de... Ça sert pour beaucoup de rangements, en fait. Du coup, ben, à 45 centimes les deux, ben, j'en prends. À chaque fois, j'en prends. Ensuite, j'ai pris... Ben, ouais, ça y est, elles sont sorties. Il faut savoir que les moustiques tigres sont énormes. Même à Barcarès, ils étaient énormes. Du coup, j'ai fait le stock de bougies. Oui. Ben, alors, je vous rassure, il y en a deux pour Barcarès. Deux pour chez moi. Comme ça, ce week-end, on se fera pas manger. Voilà. Donc, ça, c'est moins de 3 euros. C'est des bougies à la citronnelle. Chaque année, j'en prends. Elles sont très, très bien. Le seul souci, c'est que des fois, la mèche, suivant comment elle est mise, des fois, ben, on en gaspille, quoi. Mais c'est vraiment le seul souci que j'ai.
Après, moi, j'adore ces bougies. En plus, elles sont super colorées. Il y en a des bleus aussi. Donc là, j'ai rose, vert et jaune. Il y en a des bleus. Enfin, voilà. C'est très gai. Et moi, j'adore. En plus, c'est pas très cher. Ensuite, pareil, j'ai pris des assiettes en carton. Donc ça, c'est 1 € et quelques. Et pareil pour le mobilhome, parce que je me suis aperçue que les couvercles étaient abîmés, voilà, pour cuisiner. Du coup, ben, j'ai pris ce couvercle-là. J'aime bien parce que ça fait plusieurs tailles, du coup. J'ai le même que j'avais acheté chez Maton. Donc, c'est une boutique en ligne de cuisine. Et là, c'est pareil, du coup, vous voyez, il y a plusieurs tailles. Ça n'est pas marqué, là. Et ça évite d'avoir 50 couvercles. Ouais, il peut faire 24 cm, 26 cm ou 28 cm. Donc c'est pour ça. Pour le mobilhome, c'est très très bien. Voilà. Surtout que je connais ces couvercles. Et moi, j'adore. Perso, j'adore. Après, rien d'extraordinaire. Des sacs poubelles. Alors, c'est 120 litres. Parce qu'il y avait que... Et ceux de 100 litres, c'était des tout fins. Et si c'est pour que ça se déchire après, c'est pas la peine. Du coup, j'ai pris les 120 litres. Ça, c'est 1,99 €. Voilà. Ah, et pour finir, eh ben, mes petites noix de cajou. Voilà. Mon petit péché mignon de temps en temps. Donc, voilà. Bah, écoutez, voyez, j'étais très raisonnable. Hein. J'ai pas fait de gros... achats folie, voilà, c'est vraiment des trucs de tous les jours. Bon, en scrap, il y a eu un petit peu de trucs, mais pas beaucoup non plus. Donc, je vais tester avec vous, si j'ai le temps, les glitters comme ça. Je savais pas. Alors, Nathalie m'avait parlé de feu qu'elle cherchait à Action, mais je sais pas si c'était ça en fait. Voilà, et donc voilà, à tester tout simplement. Ça me fait penser aux icônes, c'était là, mais je sais pas. Voilà. Donc, ça a testé. On verra bien. Bon, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.